suis encore contente qu'on a présenté devant un public qui a beaucoup aimé le spectacle. C'est un spectacle qui parle de l'immigration. Et donc, ça touche l'humanité entière, l'immigration. Maintenant, c'est-à-dire pour se déplacer d'un pays à un autre, c'est vraiment la croix à la bannière, le visa et tout ça. Donc, l'être humain n'est plus libre pour se déplacer, alors qu'il est né libre. Bon, mon personnage, c'est comme à chacun des comédiens, donc j'incarne plusieurs personnages. C'est des gens qui s'embarquent à la recherche de leurs parents, mère qui cherche son fils, l'autre qui cherche son frère, le mari, à la recherche de leurs enfants qui ont échoué dans une embarcation de fortune. Donc voilà. Moi, j'ai le personnage d'une femme qui a perdu deux enfants pendant la Révolution. Ces deux enfants ont été assassinés, égorgés par les terroristes à Tunis. Et le troisième, il est parti en immigration clandestine. Donc, elle est allée à la recherche de son fils. Donc, tout ce drame, elle a le drame de ses deux enfants et du troisième qui est porté disparu et qu'elle est allée à sa recherche en espérant qu'elle le trouvera vivant, qu'elle pourra le rapatrier. Several rescue ships with hundreds of migrants on board. Depuis quelques jours, les autorités italiennes ont donc commencé à les transférer. Je suis tout aussi contente d'être là et d'être avec Albatros à jouer à Venezuela. Donc j'incarne le rôle de la journaliste qui en fait a toujours rêvé de faire le reportage de sa vie dans le sens où elle transmet ce qui existe réellement, ce qui se passe réellement, la réalité et non pas ce qu'on veut montrer de l'image de la société ou toutes les censures et tout ça. Et donc elle s'embarque dans cette aventure tout en étant avec tout le monde dans leur voyage, entre guillemets. Et là, elle découvre le sens vrai de son travail. L'objectif, c'est de vraiment prendre le message et de le transmettre, mais de cette réalité et un peu être le porte-parole de tous ces gens-là avec leurs petites histoires, la mère qui est à la recherche de son fils, le frère de son frère, etc. Et voilà, donc je suis très contente d'interpréter ce rôle parce que, en quelque sorte, je pense que nous tous, on veut ça, même de par le théâtre qu'on fait, on veut un peu transmettre ce qui se passe réellement. Et voilà, en espérant avoir l'impact sur les bonnes personnes et avoir un impact réel pour une éventuelle évolution, on va dire. Voilà. Bon, pour moi, c'est d'aller au Venezuela, c'est un rêve d'enfance, quoi. Donc, c'est très très bizarre pour moi que je suis là et de traiter dans ce spectacle une problématique universelle pour moi. C'est essentiellement le droit de transport, quoi. C'est l'égalité, quoi. Mais au contraire, qu'il a la force. C'est lui qui décide les frontières, il décide la loi du déplacement.
Alors pour nous, les navires de la mort de la Tunisie vers l'Italie, c'est un vrai génocide, quoi, mais indirectement pour nous, parce qu'il y avait 2000 Tunisiens qui ont émigré, qui ont se noyé dans la Méditerranée. Et voilà, c'est pour moi, mon rôle, c'est le frère qui cherche son frère, et son frère qui cherche un rêve, tout le monde, qu'il cherche le bien-être dans l'autre côté de la mer, mais ce n'était pas vrai. Je pense que directement, je parle de le capitalisme, de l'impérialisme mondial qu'il provoque, cet mouvement de masse, qui provoque aussi cette rage pop universelle entre le peuple, entre les pays, entre tout ce qu'on a, les cultures et tout ça. Donc il y avait une question très, très, très urgente, c'est quoi l'égalité ? Qui a le droit ? On allait dans un impasse de racisme, un impasse d'égoïsme, un impasse. Toutes les valeurs sont changées. Et alors, cette coopération, pour le moment, on veut dire que c'est une coopération avec le théâtre de Catania, donc en Italie. Donc, pour moi, c'est paradoxal d'aller en Italie ou en France, il faut avoir un visa, mais aller à combien de kilomètres, 7000 kilomètres à Venezuela sans visa, donc c'est paradoxal, quoi. الأمان لب الخور والسمرة مرت الراجل خط التعليم الصحفية ركبت مخها فلوكا شبيك تبع فينا بتونس مولا بيس مرياش عشانيتك Bon, ça me fait grand plaisir. Je vais avec mes collègues à Caracas. Je joue le personnage narrateur et le chef de Harka. Et le metteur en scène, il est inspiré de Prospero, shakespearien. Donc voilà, tout ça, voilà. Oui, je suis le metteur en scène, j'écris les personnages et les textes et j'ai fait la scénographie et j'ai dit toutes mes idées dans la pièce. Je suis un homme d'action et pour vous avoir la pièce, j'ai rien de dit maintenant, tu sais. Mais en un seul mot, que le théâtre qui réunit de résoudre les problèmes des passagers clandestins, parce que c'est un problème, c'est une catastrophe dans la Méditerranée et dans beaucoup de monde comme Cuba et Miami, comme Mexique et Californie, c'est un problème d'humanité et le théâtre, il est là pour résoudre le problème de l'humanité. Merci beaucoup. Ou les poser, ou les montrer aussi. Pour moi, c'est un honneur d'être ici, de participer au Festival international de théâtre progressiste au Venezuela. Quel honneur d'être ici avec l'albatros, ce oiseau qui vole de Tunis jusqu'à Venezuela pour parler d'un sujet, comme disaient mes collègues, très urgent et très important, qui concerne et la Tunisie et le monde entier. Nous sommes très fiers de présenter le théâtre tunisien dans un aussi pays, beau pays que le Venezuela. On a vu tout à l'heure le public, quel public,
vraiment quel public. C'est, ils étaient concentrés, chaleureux, intimes. Ils applaudissaient vivement. J'ai retenu une phrase qui vraiment qui m'a marquée. Quel beau poème poignant. C'est-à-dire la poésie, le théâtre et tout ça, et le sujet qui touche vraiment et qui fait mal. Donc, on est très content d'être ici, de présenter aussi le théâtre de l'opéra et le pôle de théâtre et d'art unique, d'art scénique de Tunis. Je remercie vraiment toute l'équipe. J'insiste. Avec Hached, viens ici Hached, notre lumière du spectacle, et Nizar, notre grand vidéaste, Lotfi, notre assistant, metteur en scène, et cette fois-ci, il s'est engagé pour le surtitrage espagnol, et Wabah, notre star. Compositeur de musique. Compositeur de musique. Et qui d'autre? Elle est où? Elle est là. Viens ici. L'âme de notre albatros, Melek. Fatouma, Gadour, Mariouma, Jdoula, Ali, tout le monde, sois les bienvenus. Mais là-bas, je ne veux pas travailler comme ici. Non. Tu restes à la maison, tu ne travailles pas. Merci beaucoup, merci à vous d'être là pour vraiment faire... envoler l'albatros un peu partout, c'est grâce à vous aussi. Et merci à celui qui nous a programmé dans ce festival. Merci pour la direction, du festival, et merci pour l'organisation, l'accueil, l'amour, vraiment, c'est un peuple chaleureux, aimant, aimable, accueillant, souriant. Donc voilà, merci beaucoup. Merci Monsieur Carlos. Grâce à lui qu'on est là. Et viva Palestina. Et monsieur l'ambassadeur de Venezuela à Tunis. Monsieur Carlos, monsieur oui. Un grand homme. L'Afrique et le peuple vénézuélien, j'ai l'impression qu'ils partagent les mêmes valeurs, les mêmes ambitions, la même vision de liberté et d'égalité aussi. On a senti ça dans l'applaudissement et l'accueil, surtout l'accueil du public, même dans les rues, hein, c'est pas que au théâtre. La révolution, c'est un résultat. En Tunisie, on l'a fait et on continue de le faire. Mais et je pense que pour tous les peuples vénézuéliens, tunisiens et tous les peuples qui vivent presque, on va dire, les mêmes choses, il faut continuer à croire en ce qu'on a besoin et en nos droits. Si on met les moyens pour et qu'on travaille, que cela soit à travers l'art, la culture, nous, de notre côté, on fait tout ce qu'on peut de par notre domaine. Si on continue, je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Je veux dire que pour le peuple Venezuela, de garder vos couleurs, parce qu'ils sont très, très, très beaux. Oui. Ça, c'est l'indépendance pour moi, c'est de garder les racines avec l'art, avec la culture. On peut offrir l'imagination jusqu'au bout. Et l'imagination artistique ou bien l'imagination, ça ouvre l'esprit vers une dimension douce de partager et de vivre ensemble. Et ça se projette sur les autres peuples. J'espère qu'on aura l'occasion que les Vénézuéliens viennent chez nous et que cette aventure s'agrandira et continue.